Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que tout va bien chez vous. Chez moi, ça va. Aujourd'hui, dans cette vidéo, ça sera une motivation ménage. Je partage avec vous une recette toute simple. J'ai envie de vous dire, c'est « Passe la journée avec moi », en fait, le titre de la vidéo. Parce que je vous montre un peu une routine du matin. Ce que je fais, en fait, tous les matins, ou presque. Donc, je commence toujours par m'occuper de bébé. Je lui donne son bain, des fois le matin, des fois les soirs, ça dépend. Les mercredis, comme ça, je préfère le matin parce que j'ai pas Ivan à déposer, donc tranquille. Souvent, quand il y a école comme ça, je préfère les soirs. Après, ça dépend, ça dépend, ça dépend. Donc, je m'occupe de bébé. Ensuite, donc, je descends, les enfants sont à l'école, sauf Ivan et le bébé. Donc, du coup, je descends et je m'occupe de la maison. Aujourd'hui, je vais commencer la motivation ménage par la cuisine. Vous allez voir que ça va aller très vite dans la cuisine parce que j'avais fait ma routine du soir. Donc, j'avais vraiment pas grand-chose à faire à la cuisine. Ça va aller très, très vite. La plaque induction n'est pas sale. J'ai pas encore fait le repas. Je vais juste passer un bon petit coup comme ça, vite fait, histoire de, pour enlever juste des petites miettes qui traînent. Et c'est bon. Ensuite, je vais m'occuper de l'autre côté du plan de travail. N'hésitez pas les filles à liker la vidéo, ça m'encourage, à me faire un petit coucou en commentaire également. Quand je fais ma routine ménage du soir, je nettoie également l'évier, hein, ça va de soi. Mais le matin également, je nettoie quasiment tous les matins l'évier parce que tout simplement j'ai toujours un peu de vaisselle en fait, des tasses, des mugs, des verres utilisés pour le petit-déj. Quand les enfants vont à l'école, des fois ils n'ont pas le temps franchement de laver leurs tasses ou de mettre dans la machine, ils courent derrière leur car, donc du coup c'est moi qui le fais quoi. Donc le matin, des fois je remplis la machine, ça dépend. Des fois, je remplis la machine quand il y a beaucoup, quand j'ai voulu faire des grands petits-déj. J'ai beaucoup de vaisselle et je remplis la machine. Quand il n'y a pas beaucoup, beaucoup de vaisselle à faire, non, je lave à la main. C'est très vite fait et c'est également efficace. Je continue mon nettoyage de l'évier. Donc, j'ai frotté, j'ai rincé. Là, je passe un bon coup de microfibre pour terminer mon nettoyage de l'évier. Ce soir, je vais cuisiner des patates, donc je préfère m'avancer, je les coupe je les coupe comme ça, ça sera fait, j'aurai que le repas à continuer à faire les patates, ça sera fait. Ensuite, je m'occupe donc du sol, je viens aspirer très très vite fait. Et ensuite, je passe la serpillière. Je nettoie les miroirs que j'ai au salon parce que tout simplement, ils avaient besoin d'être nettoyés. Je vais utiliser le produit à vitre de la marque The Pinkster. Ensuite, je vais passer au nettoyage de la table à manger. Et pendant que bébé est toute sage, je profite de faire mon nettoyage. Mais ça ne va pas tarder. Vous allez remarquer qu'elle se trouve avec moi. Je vais continuer de finir le ménage avec elle dans le dos. Une fois que la table est débarrassée, je viens nettoyer. Je vais utiliser le produit de la marque The Pinkster pour nettoyer ma table.
Une fois que la table est nickel, je viens remettre la décoration de table. Ensuite, je passe au nettoyage de mon sol. Donc, j'aspire correctement tout mon sol. Je me suis dit aujourd'hui je vais un peu plus nettoyer l'aspirateur parce que je le vide, hein, je vide le cache mais je ne nettoie pas vraiment la brosse et tout ça. Donc aujourd'hui je me suis dit c'était le jour, j'étais motivée, on y va, je vais nettoyer l'aspirateur correctement, lui donner un petit rafraîchissement. Pour la brosse, je sais très bien qu'il fallait que je dévisse et tout ça, mais je vous assure que j'avais la flemme. J'étais motivée pour le nettoyage, hein, mais franchement, pour le bricolage, niette. J'étais pas du tout motivée, j'avais la flemme de dévisser, ensuite faut revisser. Non, j'ai dit non, tu vas prendre une douche au complet et puis voilà. Donc, j'ai lavé ça entièrement comme ça, mais franchement, c'était pas difficile, hein. J'ai bien décrassé ça, c'était vraiment pas difficile. Je le sèche comme ça à l'air libre. Bon, j'accélère quand même le séchage en essuyant correctement, en essuyant. Mais après, je vais le laisser sécher comme ça à l'air libre et je ne l'utiliserai pas. J'ai l'aspirateur robot qui va prendre le relais. Ce midi, on va en toute simplicité. Le soir, ça sera un plat beaucoup plus élaboré. Beaucoup plus élaboré, avec des patates et tout ça. Mais ce midi, sincèrement, c'était un plat très rapide accompagné d'une salade. C'est un sandwich qui est très facile à faire et surtout rapide, les filles. Surtout rapide. J'ai acheté des pains mi-cuits qu'on vend en grande surface. Comme vous voyez dans la vidéo, j'ai ouvert l'intérieur, j'ai vidé un peu de mie. J'ai mis j'avais de la sauce samouraï, sinon vous pouvez mettre ce que vous voulez. J'ai mis de la sauce samouraï. Ensuite, j'ai mis du jambon. Première couche, sauce samouraï. Deuxième couche, jambon. Troisième couche, cheddar. Ensuite, gruyère. Ainsi de suite sur tous les sandwichs. Là, j'ai varié. J'ai mis de la sauce samouraï. Et pour un autre de mes fils qui n'aime pas la sauce samouraï, je lui ai mis de la crème. Donc, voilà, j'ai fait deux plateaux comme ça. Et puis, c'est bon, les enfants se sont régalés avec une petite salade à côté. C'était juste chouette. Ensuite, ça a été l'heure des devoirs. Et oui, on est mercredi après-midi. Avant d'aller aux activités, on fait les devoirs. Donc, avec Ivan, on a commencé à faire un peu nos devoirs. Et deux S. Anglais, apprendre les adjectifs. Opposé, grammaire, exercice. Et à la fin, c'est grammaire, exercice déterminant. Ok. Bon, on va commencer par le premier déjà. Tu me récites la table de 3 alors. 3 fois 1, 3, 3 fois 2, 6. Après l'effort du reconfort. Donc là, je vais me poser. C'est l'après-midi. Je me pose. Je me prends un bon goûter avec du chocolat chaud au caramel. Et un petit gâteau accompagné d'une chantilly, je me suis juste régalée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a motivé, qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker pour m'encourager. On se dit à une prochaine vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt.